Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle, un nouvel épisode, on pourrait dire, sur cette pas vraiment série qui est Cuisine Royale, sur laquelle je joue beaucoup en ce moment. Hop hop hop. Cric croc, on est bon. Et j'ai toujours espoir de faire un top 1. Peut-être que c'est. Peut-être que c'est beaucoup plus haut que ce que je crois et que j'y arriverai pas. Mais j'ai toujours espoir. Ce que je pourrais faire, c'est perdre volontairement plein de parties pour perdre du score. Pour tomber contre des adversaires moins costauds. Et si je perds suffisamment de score pour arriver à peu près à zéro, je vais tomber comme au début contre des joueurs qui débutent. Sauf que moi, je débuterai pas, bien sûr. Donc je pourrais les tuer comme je veux. Enfin, comme je veux. Plus ou moins comme je veux. Puisque ce qui importe le plus à mon avis dans ce jeu pour tuer quelqu'un, c'est de le voir en premier. Et après un peu de savoir viser, mais. Là, il est tout accidenté ce temple. Hein. Il y en a qui sont mieux faits que ça, des temples. Hein, messieurs les Aztèques. Que vous avez mis des pierres. C'est vrai que c'est pas fini. Quoi ce travail? Oh là, je cours bizarrement. Tant que je tombe pas. J'ai une seule arme. Ah, il y a un Walter machin. Ah mince, je me disais, je peux prendre beaucoup de dégâts de chute, m'inquiète, je m'inquiète pas. En fait, pas du tout. Hop, mangeons une grosse conserve. Ça compense la chute. Ah, il y a un truc. J'ai vu un. Ça devait être les pièces d'or aztèques. J'ai vu un indicateur de stuff intéressant. Ah, du coup, j'ai récupéré 5 âmes en mangeant. Grâce à ma super culotte rose. C'est pas un joueur, ça. C'est une statuette. Je trouve ça plus facile de prendre du stuff dans les maisons plutôt que dans les temples. Dans une maison, quand t'entres, t'as tous les trucs qui sont dans la pièce, et puis après tu passes dans la pièce suivante et c'est tout. Alors que là, je sais pas vraiment où chercher. Il y a peut-être des trucs dedans. Non, il y a rien. Rien, 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 rien. Là, il y a des trucs. J'ai vu un indicateur. Oh, là-haut. Oh, je suis une grimpeuse hors pair. À ce que je vois. Il y a un truc. Ça tire, mais je sais pas où. Ça me saoule de pas savoir où j'ai où les gens tirent. Je préfère les lunettes x4, à vrai dire. La musique. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui est dans ce bâtiment-là et qui tire. Oula! Mon dieu. Oh là là. Hop, nous voilà derrière le mur. Ça, on dirait la mitrailleuse. Hein. Y a toujours un mec ou pas? Alors peut-être que je vois mal, mais moi je vois rien. Ah, il est dans sa voiture. Et il s'en va? Vraiment, il est tellement chelou. Bon, il est parti par là-bas, je sais pas où. On va avancer avec la zone et pas prendre de risques inutiles. Prendre mon deuxième machin. Prendre le cigare pour l'instant. J'ai cru voir un mec, j'ai cru évidemment. Oh là, moi je serais fatigué à faire toutes ces.
C'est pro les escalades. Déjà arriver à faire ça. Je suis épuisé pour la journée. Et là, elle fait hop hop hop. On les enchaîne. Truc qui fume dans l'eau. J'espère que c'est pas un puits de pétrole qui fuit. Sinon c'est pas bon signe. Truc qui pète. Quoi ça on a lui prenons là. On voit mon ombre qui court. Walter P38, on va prendre celui qui est chargé. Au lieu de changer avec un qui est pas chargé. Ça oh, il m'a quasiment fait zéro dégâts. Hop là. La zone avance ou pas? Elle commence bientôt. Ok, on va foncer. On va prendre l'Itaka à la place du K. Botte de 7 lieues, ça permet de sauter très haut. Hop, il n'y avait rien de très très intéressant. Manger sur le chemin. Et on va changer. On va mettre notre fusil de loin ici. Je sais pas combien il fait des 15. Oh, c'est très bien 15. Je pense pas que l'autre soit tellement meilleur. Je pense qu'ils font 15 les deux. C'est une partie qui commence bien, c'est de bon augure. Itaka, c'est celui qui tire. Ouais. Là, il y a un truc. C'est intéressant pour moi d'après le jeu, prenons-le. Je pense rarement à utiliser des grenades. Il y a des trucs cachés un peu partout dans ce machin. Chargeur de machin. Ouais, je sais pas. Je pense pas que j'aurai besoin de mon petit fusil un jour. Mais bon, c'est pas grave. Si un jour j'ai plus de balles de je sais pas quoi, j'en aurai encore. C'est le principe de s'il y en a plus, il y en a encore. Le petit fusil. Pour moi en tout cas. J'avais cru voir quelqu'un et je ne m'étais pas trompé cette fois-ci. Non, elle est pas morte, c'est pas vrai. Elle s'est barrée en véhicule, comme... Mais non, c'est quelqu'un d'autre. Ah si, c'est elle. Ah non, c'est pas elle du tout. Je l'ai vu tirer. Ouh, elle était là vraiment. Vite, vite, vite. Je sais pas si je peux faire ça. Oh non, mon dieu. J'avais plus de vie, j'avais plus de vie. Donc il y en avait bien une cachée dans le machin. Et une tout là-bas. Ok. C'est pas grave, on va enchaîner avec une deuxième partie. Et on va espérer faire mieux. La vidéo est pas très longue pour l'instant. Et je me suis pas trop trop mal débrouillé. J'ai une nouvelle récompense. Prendre les récompenses. Je peux? Ah, j'ai pas cliqué. Ouais, merci. Partie trouvée en attente de connexion. C'est encore la map des Aztèques ou pas? Pas du tout. Il y avait une... L'image n'est pas corrélée au... à la map qu'on va avoir. Alors, pack explosif, 10 pièces d'or. Comme vous l'avez vu dans la partie d'avant, je vais utiliser ni mon petit fusil ni ma grenade. Comme quoi,
C'est pas super utile. Dans la mesure où t'as un fusil à pompe qui one shot, un fusil sniper qui two shot, utiliser une grenade, c'est pas super fort. Lequel fait plus de dégâts? Ah, il faut exactement la même chose, exactement la même cadence. On saura pas choisir. C'est cool ça quand t'as des pièces pour jouer plus. Lui il a plus de balles, on va lui mettre la lunette. J'ai envie de prendre la Gewinner 41. D'après moi est meilleure. Parce qu'elle a une cadence de tir largement plus importante. Ok, on va aller dans la bonne direction, ce sera mieux. Ramasser une des poêles là. Les poêles que tu trouves par terre, tu peux les ramasser, mais celles-là, je pense qu'elles sont attachées au mur, c'est pour ça qu'on peut pas les ramasser. C'est dommage parce que la poêle c'est la meilleure arme corps à corps que j'ai trouvée jusqu'ici. Je suis bien déçu de pas pouvoir la ramasser au mur. Peut-être que si jamais je mets un pack explosif, je vais sauter le mur et pas les poêles. Et dans ce cas-là, je peux ramasser des poêles. Faudra que j'essaye une fois. On va garder cette arme en main. Binga, apéritif au vin de France. Non, le panneau n'est pas traduit en français, c'est l'original. Pour ceux qui se demanderaient. Et mais évidemment, dans la map des Aztèques, il n'y a pas de panneau en français. Je sais pas si. Je crois pas. Mais je me suis fait mal en tapant un arbre. Pas beaucoup, mais. Ah, bien dommage. C'était pas mal, hein, ça. Ça a été fouillé. J'imagine que ça a été fouillé partout. Bon, à la place du mec qui a spawn là, j'aurais tout fouillé. Petite vérification quand même. Là, ça n'a pas été fouillé. Une hache. On va manger un petit casse-croûte. Conserve en alu, pièce d'or à steak. On va dire que c'était pour avoir 5 âmes que j'ai fait ça. Y a peut-être encore des mecs, hein. Là, ça a été fouillé par contre. Je pense qu'il a juste oublié une maison parce que le pâté est tellement grand que. Que voilà. Faudrait que j'aille plus par là, moi. Je suis le nœud parfois. Voyons, Hydro, esquive les arbres. Esquive. Ah, mais un truc de cuisine. Moi j'ai un petit mèche. On peut manger en voiture. Je me serais pris un arbre, c'est nickel. Attends, j'ai pas été assez vif. Je peux pas prendre la mousse. Je suis hors zone, c'est pas grave. Je veux Gewinner. Hop, en face. Avec la voiture, ce sera plus rapide en fait. Le truc, c'est que maintenant que je vois plus rien, je crois que c'est plus intéressant. Maintenant que je vois plus rien, je vais encore plus me prendre les arbres. Au-dessus de la voie ferrée. J'ai cru que c'était de l'eau, y'a pas d'eau. On prend quasiment rien en ville, c'est pas très gênant d'être hors zone.
triste, mais c'est vrai. Mince, j'ai plus que des assiettes. Pas manger une assiette complète pour ça. Pour un petit bobo. Hop là, tu croyais pouvoir te servir de ton super pouvoir pour me bruh? Eh ben c'est perdu. On va manger une conserve en alu. Prendre moins d'assiettes, toutes les conserves en... Là. Lunettes x4. 1, 2. Ok, marteau, je crois pas. 21 pièces d'or aztèque, inondation mondiale. Ok, on recharge. Moi aussi, j'ai maintenant la masse de balles. Faut que j'avance, moi. Bon, ça va être pratique avec l'eau. Quelqu'un qui a plongé dans l'eau. Ou alors c'est la voiture. Mais j'ai entendu un plongeon, hein. Peut-être un élément du décor, mais... Et là, c'est moi qui suis sorti de l'eau, c'est ça? Ouais, je pense que c'est moi. Des gens sur les... On voit personne. Ça m'a permis de monter sur le toit. Je sais pas si les gens qui font inondation mondiale ils misent sur le fait qu'ils vont pouvoir monter sur un toit et que c'est génial et tout et tout. Ils se disent ouais, j'ai besoin de monter sur un toit, il n'y a pas de quoi monter, faire une inondation, ça m'aidera. On va descendre. Je suis pas sûr que ce soit vachement utile de pouvoir monter. Enfin, d'être sur un toit. Ah, j'ai des pièces d'or aztèque. J'ai beaucoup de pièces d'or aztèque. Plus que ce qui serait vraiment utile. Il y a une tombe qui n'a pas été ramassée. C'est un mec qui a une protection d'effet tier 3, logiquement. On va changer. Ça, c'est mon arme de corps à corps plutôt. Un mec qui s'est potentiellement passé par les fenêtres. Il était même pas chargé, lui. Oh là là. Mocina. Alors, où qui sont les gens? Oh, il y a un véhicule là-bas. Il y a un joueur là où j'ai rêvé. C'était une feuille qui bougeait. Là. Oh, c'est pareil, c'était encore une feuille qui bougeait. Je sais pas s'il y a moyen de figer l'animation des feuilles. Ça m'aiderait pour trouver les joueurs si c'est le seul machin qui bouge.
une voiture qui... Qui arrive, je la vois. Y a un mec qui suit la voiture. Pas super bien ça, mec. À sa place, je fuirai très très loin. Touché. Mon dieu, je l'ai pas tué avec les 3 jolis coups que j'ai mis. Alors que je fais 15 dégâts. Y'a un mec qui se promène là-bas. Très très loin, on va garder cette arme là. Il est passé de l'autre côté. Très très loin maintenant. Manqué. Ah, faut que j'avance, j'avais pas vu. Je pense que c'est pour moi le tir. Tellement d'air, moi. La zone continue à avancer, donc on va avancer aussi. Ah, il y a un truc à pièces, mais j'ai pas trop le temps. Je suis déçu de pas avoir tué le mec en voiture, je pensais que c'était bon. En fait, non. Le mec qui était là tout à l'heure, il part en zone, lui. Celui qui avait traversé. Peut-être, peut-être, il est peut-être mort aussi. Oh, y'a un mec. Il est pas rentré dans le bunker. Peut-être monter dessus. Ou alors il est rentré dedans et il a fermé la porte. Parce que la porte était fermée. Apocalypse zombie. Il y a un mec là-bas. Ok. Touché. Il est trop loin. Oh non! J'espère qu'il va se faire bouffer. Bon, 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 bon. Tant pis, tant pis, tant pis. Il n'y aura pas de victoire à cet épisode. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve prochainement sur un autre jeu ou toujours celui-là si jamais ça vous plaît encore.